Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission de divertissement en Côte d'Ivoire. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa, la seule émission dans laquelle on te regarde, on te dit ce qui ne va pas, ça te va pas, et puis ça va. C'est dans Fafa que ça se passe. Alors aujourd'hui nous avons une invitée de taille, elle fait partie de cette génération de danseuses qui ont fait beaucoup parler d'elle. Elle était avec notre légende qui nous a quittés dès si tôt, mais elle a su se faire remarquer avec des pas de danse. Et elle est la seule qui a réussi à danser dans un milieu d'hommes avec notre légende Fedi Jarafat. Mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans ce Fafa celle-là même, Rita Diesel, la go au coup de pied et au cacato. Magique. Alors, Rita Diesel. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Fafa. Merci. Alors, tu connais l'équipe, hein? Moi, c'est Chola et voici le vieux défalé. D'accord. L'immature de Fafa. Alors, pourquoi le nom Rita Diesel? Parce que déjà, à l'état civil, c'est quoi? À l'état civil, pression sur moi. La honte de ton nom? Non, non, non. À l'état civil, c'est Diomon Agua Rita Elisabeth. Originaire d'où? Abou Bablé, je suis Ébrié. Ébrié. Prénom Elisabeth, là, ça existe encore. C'est un nom, hein. Voilà, et le nom Rita Diesel m'est venu depuis le Mali, voilà, lors d'une prestation. Et il y a une fan française, voilà, qui était la copine de mon ami, mon collègue danseur. Voilà, après la prestation, elle m'a dit, ah, mais bébé, faut pas t'appeler Rita Jolie, laisse Rita Jolie là, parce que Rita Diesel, prends Rita Diesel, parce que tu danses avec... ça dit vivacité, tu es en tout cas tu dois savoir là, voilà, voilà. Donc je préfère ça, que tu vas voir que ça va t'aller. Je dis, tu es sûr que Rita je l'ai? Ouais, dit non, que on sait, tu es déjà belle, on sait déjà, mais laisse Diesel là, que tu vas voir. Donc c'est comme ça, Rita Diesel est restée depuis 2016. Depuis 2016 que tu as. Alors comment tu fais tes premiers pas, on va dire, dans la danse? Dans la danse, bon, je peux dire que la danse c'est un truc qui est déjà inné. Okay. Voilà, et je me suis lancée, ça, c'était après la mort de papa, en 2008. Et vous connaissez, il y a des familles qui sont un peu bizarres après la mort d'un parent. C'est maintenant que tu vas voir le vrai visage. Voilà, donc après ça, je me suis lancée dans la coiffure, comme je suis esthéticienne aussi. Donc j'ai commencé la coiffure un peu petit à petit. Et une fois, lors d'une fête 31, j'étais en train de coiffer une dame, j'étais arrêtée sur le tabouret et j'étais de la coiffure. Après, ils ont mis un son, je dansais au fur et à mesure. Et elle m'a dit, non, mais tu sais, c'est vrai que tu fais la coiffure, tu vas réussir dans ça, mais fais la danse, que ça va te réussir aussi. Parce que je vois un truc comme toi, fais la danse. J'ai dit, ah bon. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la musique, j'ai commencé à travailler dans des boîtes de nuit et tout, tout ça pour pouvoir aussi avoir. Dans le milieu de la nuit, quoi. Oui, oui, oui. Une petite autorité. Oui, 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 non, pas ça seulement, pour pouvoir avoir déjà de quoi avoir à manger. Ah, d'accord, voilà. Pour gagner ta croûte. Voilà, voilà. Donc, c'est dans ça aussi, j'ai commencé à fréquenter le Bas Bloom. J'ai connu Guizo Bloom, qui produisait Manu Manuela. Alors, donc, c'est au Bloom que tu rencontres Fedi Jarafat? Non, oui, oui, c'est au Bloom que je l'ai rencontré pour la première fois. Et c'est au Bloom aussi qu'il a dit que si il a dit qu'il ne veut pas danser avec une femme, il ne va jamais danser avec une femme. Mais non, moi, tu sais quoi, j'allais en venir. Hein. Ah, d'accord. Si, j'allais en venir. Parce que tu sais que c'est notre fils, tu vois. Nous, on connaît, on sait comment il fonctionnait. Et franchement, tu es la première femme que moi j'ai vue dans son équipe en train de danser. Effectivement. Et ça, c'est un loup béret déjà. C'est un béret qui est. Yeah. Non, mais faut nous dire. C'est la vérité. Donc, tu rencontres Arafat au Bloom. Oui, oui, je le rencontre au Bloom. Et comment il a fini par accepter de danser avec une femme? Bon, déjà, moi, quand j'ai commencé la danse, quand j'ai commencé là, j'ai regardé parmi les danseuses, j'ai vu la personne qui était la plus forte et j'ai c'était vu Zota. J'ai vu Zota. Ah, c'est donc Zota, pour toi, Zota c'était la plus forte. Oui, bon, c'est ce que j'ai vu sur la vidéo. Pour toi, c'est Zota qui était ta source de motivation et ton inspiration. Oui, elle était ma source de motivation, mais elle m'a découragée.
Ah bon? Oui. Elle m'a découragée. Ta dégba. Oui, très dans mauvais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah là, mais ça, c'est un loup béret qui a dit. Mais nous, on est là pour le béret. Attends, il y a le poisson. Aujourd'hui, Rita, on parle du lieu des danseuses. Oui, oui. C'est oui. vraiment rare en Côte d'Ivoire qu'une danseuse puisse s'exprimer sur les déboires de votre milieu. Ah, oui, donc oui, aujourd'hui, on est là. Tu as eu Zota oui. comme, et on va dire, quelqu'un qui a été ton fer de lance, quelqu'un qui oui, t'a motivé, oui, qui m'a quelqu'un motivé. Qui t'a donné envie de faire la danse. Oui. Et aujourd'hui, tu t'assois, tu dis non, qu'elle t'a encouragé. Elle ne m'a pas donné envie de faire la danse. La danse est innée, déjà en moi. Je d'accord. faisais déjà la danse depuis toute petite. Donc si je comprends c'est bien. La mort qui a permis à ce que je puisse entrer dans le milieu du show, pour pouvoir exercer, pour avoir de quoi à manger. Donc si je comprends bien, c'est pas que Zota c'était ton modèle à la base. Non, non, c'était pas mon modèle. C'est juste que tu trouvais qu'elle dansait super bien. Oui, elle dansait super bien. Donc moi, je suis venue pour pouvoir aussi monter. Il peut y avoir deux capitaines dans un bateau. Donc, quand j'ai vu que c'était, j'ai vu sa manière de danser et j'ai dit, parce que moi, tout ce que je fais, il y a Dieu dedans. Hein. Tout ce que je fais, il y a Dieu dedans. J'ai dit à Dieu que je veux danser plus qu'elle. Je veux faire plus qu'elle. Ce qu'elle fait là, moi, je veux faire plus au fait. D'accord. Pour que c'est comme ça. Donc, ça, c'est Dieu. Oui, Dieu, je sais mes prières. Et j'ai dit à Dieu que, en tout cas, moi, je ne sais pas, mais où tu veux me déposer, il faut que moi, je sois au sommet aussi. Donc, quand tu parles aujourd'hui, là, tu es plus fort que Zota, quoi. Non, je ne dis pas que je suis plus forte que Zota, mais elle ne peut pas dire qu'elle est plus forte que moi. Non, parce qu'on peut voir qu'il y a plein de... Aujourd'hui, la majorité des danseuses, là, c'est mes pas qu'elles font. Il y a un pas même où je fais, puis je soulève mes pieds, j'attrape comme ça. Non, ça, là, c'était là depuis... Tu fais non, comment? Je fais comme ça. C'est quoi le pas qui dit là? Le chouchou. Hé hey. Voilà, il y a un pas aussi là. Bon, quand nous, je danse, nous, j'ai beaucoup qui arrive à l'église là. Je me là. Chouchou sur nous ici. Je me mets en genoux, je bouge les fesses. Mais quand vous regardez le clip de DJ Mix, il y a une fille qui a soulevé ses pieds. Donc c'est ça que tu as fait face à ça, tu as fait Pierre Rafa, tu as pris alors. Oui, il a bougé les fesses là, c'est ça même qu'il a vu. Et puis il dit, bon, moi j'aime le gros truc, mais la petite fille, tu as quoi d'autre? Et puis ça m'a dit comme ça, je veux comprendre. Rita, attention au mot, bon. La haka est très violente. La haka est très violente. Rita, excusez-moi. Tu avais quoi dans tes fesses et puis ça attirait le monsieur comme ça? Mes fesses n'étaient pas aussi gros que ça, mais la manière dont je... C'est la manière dont ça travaillait. Voilà. Et il y a une stétoise donc, même qui m'a amené. Donc Arafat te dit que... Tu avais quoi dans tes fesses et puis tu danses comme ça, mais et quand même ça m'a. Mais j'avais quoi dans mes fesses? Mais c'est mais ça qui l'a tiré et puis il est tombé fond. Toi-même, tu es pressé dans les barres. Attends, yeah, avant yeah. d'arriver, c'est vrai que les barres, c'est étape par étape. Yeah. Avant d'arriver, yeah. c'est quand même ça m'a. Tu l'attends, yeah. Et sauf-moi, yeah. sauf-moi, voilà. Elle a dit tout à l'heure, des fois, que. Elle admirait bien Zota. Oui. Mais Zota la débat manchant. Oui, manchant même. Donc. Je lui ai demandé, elle t'a dégoûté en quel sens? Elle d'accord. dit non, c'est un loup béret. Comme le béret bon, loup. C'est pas on déposé et puis elle va nous dire. Ah, vous il s'est passé quoi, Zota? Il y a eu. Bon. C'est garçon. L'ode. Non, jamais c'est pas garçon. Zota, c'est pas mon ami en tant que telle copine. Non, c'est pas ça. Voilà, mais c'est une personne que je respecte, que je respecte toujours. D'accord. Voilà, mais juste que je sais maintenant. Ça veut dire que mes pensées ont changé un peu d'un côté, voilà, côté okay. professionnel et tout. Une fois, il y avait un concert de Beno là, où, je ne sais pas où l'on soulevait sur le trône là, ce temps-là. Et moi, vraiment, j'avais besoin d'argent pour pouvoir envoyer ça à ma mère pour ses soins. Donc, mes activités avançaient mais doucement, mais j'avais besoin d'argent un peu légèrement. Donc, c'est comme ça. Elle est en contact avec moi, que non, elle a besoin de danseuses, que les filles avec qui elle dansait, elles ont fait ceci, elles ont fait cela, je sais pas. C'est après, je suis ce qui s'est passé au fait. Voilà, que non, les filles, elles dansent plus, qu'elle a besoin de danseuses et tout. Mais avant ça même, là, Zota et puis Beno, ils ont couru derrière moi, avant que Fallon va danser. Mais quand Dieu dit, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est comme moi, j'ai refusé de partir danser avec lui, c'est ça, Fallon est venu. Ah donc, tu as refusé même de danser oui, avec Beno. Oui, depuis Guizzo Blum, je peux pas mentir sur sa tombe. Non, parce que je dansais déjà avec Manu Manuela, je faisais rentrer de l'argent et j'étais nouvelle dans le mouvement. Et vous savez que dans le mouvement, tout ce qui brille, tout ce qui est nouveauté, là, tout le monde veut attraper, comme DJ Congélateur et puis Mana déjà confirmé. Et ainsi que Bébé Sans Demande. Bah, yeah, lui, jamais. Bon, oui, il m'a dit hier, ça, c'est jamais. Mais on l'appelle non, monsieur, ça peut être hier. On l'appelle Monsieur Jamais. Monsieur Jamais. Et jamais. Ouais. Donc, oui, donc. C'est un peu ça. Donc, moi, je suis partie, j'ai commencé à faire les répétitions. J'étais dansé avec Karel. Karel, dans un descendant, il y a une fille qui danse un peu, genre, à l'américaine façon. Donc, c'est nous, on a commencé à répéter. Et normalement, un ballet prend 3 jours pour bien. Ça veut dire voilà. Voilà, un ballet 3 jours. Mais en ce temps, Kero était là, ils étaient là, il y avait plein de danseuses. Donc, là, je constate que le deuxième jour, le premier jour, on nous a donné notre transport, 5 000. Deuxième jour,
après la répétition, il y a tout qui s'est passé. On a fini de répéter, on partait manger et tout. Et il y a des filles qui passaient. Et moi, je vais prendre une photo à et j'étais arrêtée au portail. Parce qu'en ce temps, on n'avait pas l'argent. Moi, quand je finis de faire mes répétitions, si c'est la pause, si je n'ai pas l'argent, je prends ma Bible, je lis où les autres sont de manger parce que je n'ai pas l'argent. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est comme ça la fille a dit Gonde, ce Zota. Ça commence à dire non, mais faut partir là aussi, qu'elle a faut partir. C'était à l'école de Gadougou, la star, tout près là, là il avait fait voilà, là, c'est là-bas. Mm-hmm. Donc, quand la fille a dit ça, la fille dit hey, Gonde, ce Zota, si mon père l'a dit déjà à sa camarade que si ils ne vont pas foutre Gonde, ce Zota, nous viens mourir. Qui veut prendre une photo ici, c'est mon idolier, c'est mieux. Donc j'étais là et puis j'observais. Puis la fille a dit, mais il faut partir là parce qu'elle est là. Faut partir. Donc elle est partie. Elle a dit, sa camarade, elle n'a pas pu dire, mais c'est sa camarade qui a dit, ah, grand-sœur, c'est dans ma camarade, dit, si elle ne prend pas photo toi là, elle va mourir. Mais qu'elle n'est qu'à, elle n'est qu'à mourir. Et puis elle a donné d'eau. Ça m'a déposé, ça. Oui. Ah, d'accord. Ça m'a déposé. Je suis restée tranquille, waouh. J'ai pu parler au fait. Et après ça, la répétition, troisième jour, on s'appelait, m'écrivait à Sarah Rita, répétition aujourd'hui. Parfois, je l'appelais, mais c'est comme on l'avait, mais répétition, il y a répétition aujourd'hui. Elle me disait non, mercredi prochain, mais tant elle me plaçait. Donc, on n'a pas bien répété les ballets. Et on vient à la répétition, tu nous fais, tu me filmes. Moi et Karel, tu dis non, tu veux envoyer à Benoît. Donc, nous tous, on sait qu'on ne maîtrise pas d'abord le ballet. Mais tu dis non, qu'il est pressé, il faut qu'on envoie, que le concert presse. Hein. Donc, il a dit à Foy. Donc, ce qu'elle a répété là, on a fait, car elle-même disait que Rita, qu'on a fait. Donc, j'ai fait ce que je pouvais. Et elle envoie la vidéo, Kero était là. Elle envoie la vidéo à Beno. Après ça, on m'appelle pour me dire non que Beno n'a pas aimé la manière dont moi je danse, qu'il dit. Lui, c'est pas comme ça, lui me connaît. Pourquoi moi, je danse bien dans les clubs des autres et puis lui, à son tour, là, moi, je viens danser comme si. Genre, comme si tu sabotais voilà, ta vidéo. Voilà. D'accord. Donc, c'est pourquoi. Il m'a boué. Donc, t'as comme boué. Dieu, oui. Oui, c'est ce que je c'est pas. Il t'a boué dans non, quel sens c'est, pas, c'est pourquoi il a. Non, mais boué, il y a deux non, façons de boué. Non, c'est pas Mougouli, là, bien, mais. Voilà, c'est une manière de. Voilà, il m'a boué, en fait. Boué, là. Voilà. Il y a deux sens, quand même. Boué, il y a deux sens. Boué, il y a deux sens, hein. Non, c'est pourquoi il m'a boué. Il m'a boué. Voilà, plutôt. Donc, après ça, comme Dieu n'oublie pas ses enfants, j'avais vraiment besoin d'argent. Mm-hmm. Il y avait le gars de. Elle m'a dit même qu'il ne répétait plus, que c'est fini, tout ça. Et il y avait Oudi Premier qui faisait ses répétitions de son clip et tout. Mm-hmm. Donc, il y avait un manager aussi, Akouma Larage. Son nom est lourd. Oui, hein? Akouma Larage. J'avais arrangé qu'on chante son nom parfois. D'accord. Mm-hmm. Donc, c'est lui qui m'a dit à ma fille, voilà, viens, il y a un mouvement pour toi, viens. Et tu comme ça. Je l'appelais, elle me faisait comme ça, elle ne me répondait plus, elle me faisait comme ça. Non, Rita, hey, c'est pas de marche, moi, on ne répète pas. Mais elle ne savait pas qu'elle allait venir encore. Mmh. Donc, moi, ici, je suis venue tomber sur eux. Vous voyez, répétition. Toutes les filles qu'elle m'a dit qu'elle les a chassées là. Les filles là sont là. Mmh. Parmi les filles à mes amis. Moi, je demande maintenant. Elle m'a dit non, qu'elles étaient en repos. Mmh. Hey. Mmh. Donc, c'est ce qui t'a dégoûté en fait. Non, on n'est pas encore arrivé. Ah, il y a plus lourd que ça. Non. Hein? Donc. Apportez-moi un petit café, s'il vous plaît. Donc, quand ça s'est passé, quand j'ai dit ah bon. Mais non, je ne comprenais pas. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à cette fille pour qu'elle puisse se comporter comme ça envers moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc, il y a une fille qui avait cuisse de poulet désirée. Cuisse de oui. Poulet. C'est qu'elle est tchengle, tchengle. Elle s'appelle voilà. Cuisse de poulet désirée. Elle n'a pas vu autre partie sur le poulet. Ou pas la cuisse? Bon, enfin, quand elle sera là, on va lui demander. Okay. Elle pourrait pas mouler des poulets? Yeah. Ou bien pâte de poulet? Yeah. Non, c'est elle. Elle ne cache pas ses choses. Mm-hmm. Voilà, elle, tac, tac, tac. C'est elle qui m'a dit, ma petite... Tu penses qu'ils t'ont fermé, tu sais pourquoi? Zota dit, quand toi tu as commencé à danser Manu Manuela, où elle courait derrière toi là? Et puis on ne te voyait pas là. Lors de conseil, il y avait un conseil, si c'est le conseil de Didier, mais quel conseil là? Je ne sais pas si c'est où. En tout cas, non. Je ne sais pas, en tout cas, d'un coup, j'ai oublié. Ce qui est sûr, il y avait oui. Un conseil. Et j'étais avec mon manager. Et elle est venue, puisqu'elle me brobe, elle ne me trouve pas. Donc là, ils m'ont trouvé dans le conseil. J'étais avec mes copines danseuses, tout ça. Et elle, Zota, elle se déplace, elle vient vers moi. C'est comment, ça va, mon manager a arrêté. Ça va, on dit quoi? Eh, hey, mais c'est comment? Mais toi, me disais que depuis, tu cherches, non? Elle dit, ah, là, viens, mais gens, je suis là, je suis bouche bée, je sais pas quoi dire parce que c'est pas moi. Quand je suis arrivée, j'ai commencé le showbiz. Guizot Blain m'a dit, ma petite ici, là, c'est la jungle. C'est la jungle. Voilà, de la manière dont j'ai commencé, beaucoup de personnes vont venir vers toi. Il a même dit, ah, Beno, faut chercher la fille. Moi, c'est ma fille. Toi, tu es mon petit. Cherche-la. Si elle accepte de danser avec toi, il n'y a pas de souci. Pendant ce temps, moi, il danse avec l'artiste de Guizot Blain. Donc là, il ne peut pas refuser. Donc il a dit, il faut la chercher, tu la trouver. Mm-hmm. Moi, il ne m'a jamais dit aussi, il ne faut pas danser. Il m'a dit que Beno te cherche, Zota te cherche. Mm-hmm.
Dem si Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'elle venait au Blanc, elle me disait, mais toi, Azota, elle vient t'attendre ici, que tu ne vas pas me croire. Donc, quand vous vous êtes vu au concert, elle t'a dit qu'elle te cherchait. Quand ils sont venus. Et là, il s'est passé quoi? Elle m'a donné mon numéro. Et là, c'est ce que j'ai entendu dire, en fait. Ils m'ont dit, non, si elle demande ton numéro, faut dire ton manager, parce que le show business, c'est comme ça, il faut que tu te fasses respecter. Ok. Donc, c'est comme ça, moi, c'est-à-dire, j'ai mis en partie ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit, ah, la fois, la même, que faut voir mon manager, va te donner. Tiens, c'est ça. Elle a mal pris ça, quoi. Moi, je suis qui devant elle? Donnez le numéro de ton manager. Elle n'est qu'à voir mon manager. Ah, d'accord. Moi, je suis qui? C'est ma camarade maintenant qui me casse au béret. Attends, c'est un béret qu'elle-même n'était pas au courant de ma camarade qui m'expliquait. Mm-hmm. Donc, c'est Zo qui a expliqué que pourquoi elle m'a fermé comme ça. Donc, c'est comme ça. J'ai dit, waouh! La charge de revanche. En fait, c'est comme ça. J'ai dit, waouh! Mais j'ai une question. Quand Zota t'a fermé, qu'est-ce que ça t'a apporté de négatif dans ta vie? Quand Zota m'a fait, bon, elle m'a pas fermé en tant que. Comme fermé, m'a juste empêché. Je me suis dit automatiquement qu'elle voulait me rendre quelque chose, au fait. Ah, d'accord. La monnaie d'une pièce. Voilà, la monnaie d'une pièce que moi-même je ne savais pas. Et elle a rendu ça. Au fait, ce qu'elle a créé en moi, je ne sais pas, mais je ne la vois plus comme de la même. Je l'admirais avant, je ne la vois plus parce que je me dis que. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'as plus le même regard que toi. Voilà. Non, mais je la respecte. Hein. Ouais, je la respecte, mais j'ai vu que c'est quelqu'un qui rend le mal par le mal. Parce que moi, j'étais dans un besoin. Ma mère pouvait mourir. Mais après ça, j'ai commencé à faire les répétitions à côté. Où dit pour m'aider de faire sa répétition. Je suis allée danser avec lui. Mais là-bas, après, ils ont mis une pause chez eux. Ils sont partis me trouver là-bas. Teko était là. Zoté était là. Tous ceux avec qui ils ont fait, devaient faire le coup. Eux tous étaient les états assis comme nous, on est tenté de faire le ballet des pamplemousses. Ou dit premier pamplemousses. Oui, mais oui, ils ont vu. Alors, ils ont vu ce qui s'est passé. Mais Rita. Oui, le vieux. Moi, on va revenir sur le vif du sujet. D'accord. Feu DJ Arafat était un artiste qui aimait s'entourer que de danseurs hommes. Oui. Comment toi tu as fait? J'ai dit bien comment? Comment? Comment toi tu as fait pour être la seule femme qui l'a recruté dans l'équipe de Feu DJ Arafat? Et a fait la célébration de danse que comme bébé sans os pour c'est, taper. C'est pas le pas de danse seulement. Mais ton pas de danse quand même. C'est parti par le tam. Il a nommé ça le tam tam. Mais non, moi je veux comprendre une chose. Oui, la vieille mère. Ton pied que tu soulèves là, tu peux pas juste te limiter à ça. As-tu besoin de taper? C'est quoi tu sais? C'est ma signature. Non, arrête de signer. Bon, est-ce que embrasser ton artiste sur l'artiste, c'est une signature aussi? Ouais. Parce que si ça c'est ta signature. Ah, il fallait en parler. Maintenant, si c'est embrasser l'artiste là, c'est que là, c'est plus ta signature, c'est ton chèque même carrément. Voilà, c'est ça. C'est ton porteur. Non, embrasser mon artiste sur scène, c'est un truc que moi-même j'ai. Non, faut préciser sur sa bouche. Oui. Tu la béco. Ah, voilà. C'est un béco. En fait, oui, ça va, c'est un béco, mais c'est un truc qui n'était pas. C'était pas prévu, au fait. Mon artiste, mine de rien, il m'aimait vraiment. Il m'aimait déjà en tant que. C'est vrai que. Il t'aimait comment? Non, de quel amour fusionnel? D'un amour d'abord fraternel. Bien fraternel. Non, d'abord d'un amour de Mougouli. Hein? Et après, quand il a vu que je l'appelais. Je n'ai pas entendu la partie ici. Donc, as-tu entendu quelque chose? Non, c'est pas bien son nom. On va. Non, revue. Est-ce qu'on peut refaire? Est-ce qu'on peut reprendre? On peut. J'ai demandé à Thé, il vient quand? À défaut, je vous pouvez m'apporter un jus de fruits? Bon, je sens qu'il y a. Ou bien un petit. En fait, il y a une partie du film là qu'on n'a pas bien vu. Vraiment, c'est bien le vieux. Rita Diesel. Rita Diesel. Tu as dit quoi tout à l'heure? Tu dis Arafat t'aimait d'un amour de Mougouli. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il voulait me Mougou. Il voulait ou bien ça? Oui, non, il m'a jamais. Parce que moi, mon nom est agaté à ce niveau. Non, donc, viens te déclarer aussi. Non, il m'a jamais mougou. Chola, on peut revenir dans ton cas? C'est vous qui voyez. Bon, ok, on va revenir dans le cas si présent. Non, mais il faut qu'on repartisse à soi là. Il m'a jamais, mougou. Le bisou, c'était un bisou. Ça dit, il m'a prise par surprise. Et j'ai réfléchi à ça. Dit, j'ai eu quelques secondes pour réfléchir parce que moi, ce temps-là, je sortais avec quelqu'un. Et je voyais, si je refusais, j'allais l'humilier. Voilà, parce qu'ils allaient dire quoi, le grand Daichi, tout le mousseau qu'elle est sorti, comme la petite fille l'a rendu plat. Mais je me suis dit qu'elle dit non, c'est bisous ça, c'est quoi? On dit bisous, papa, mais tu es là même pour des miettes. Si tu as fait bisous là, ça fait quoi? Aïe. Là pour des non, il y a des filles qui sont là pour des miettes. Non, là tu parles des filles ou tu parles de toi? Non, je parle pas de moi. Tu n'as jamais géré busy? Non, pas. Non, il n'a jamais géré busy.
dans... J'ai déjà embrassé gratuitement. Mais est-ce qu'il faut embrasser au pays? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que... Amoureuse, vous embrassez? Non, non, pas amoureuse. Donc, mais parfois, tu vas dans les shows. Rita. Voilà, oui. Donc, dans le show, tu embrasses les inconnus. Non, pas... Mais ça arrive. Diesel, Yoro, que nous, on connaît. Oui. Il n'y a pas femme dans son équipe de danse. Toi, seule, tu es au milieu de tous les garçons qui dansent là. Et puis, tu es là. Mais c'est parce que nous, on a entendu. Tu parles de qui même? Tu parles de Yoro, mais tu parles de... C'est des lui, je... Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est ce que nous, on a entendu? Nous, on nous a dit, elle, certification, confirmation, tamponnée, certifiée, vendue, pesée, emballée. On dit, sur le côté, hein, Arafat, framponnée. Non, c'est ce qui sa femme même croyait. On est actuellement arrivé. Même, on est arrivé, non, on est arrivé même déjà. On n'est pas quoi arrivé. On voulait partir là-bas, toi-même, tu es déjà arrivé. Bon, après le bisou, il paraît que Kamen te cherchait pour te frapper. Bon, déjà, un Kamen ne peut pas me frapper. Bon. Ça va, c'est pas à notre niveau. Voilà. Deux non, aussi. Pas à vous deux, vous mettez, tu peux la beauté. Non, elle ne peut pas aller à moi, elle me sait. Et? Non, elle ne peut pas. Ah, de toute façon, toi aussi, tu soulèves pied là. Vraiment, dès 2 minutes au Japon. Non, elle ne peut pas aller. D'accord. Okay. Ah. Non. Tu comptes, tu comptes sur quoi? Non. Hey, quand tu regardes devant dit Fafa, si elle arrêtait, si elle arrêtait, quand elle regarde mes yeux, quand. Elle me sait. Elle ne peut pas. Tu vas me regarder, paye quoi? Jean, l'homme qui peut te frapper, quand tu regardes, tu connais? Oui, l'homme qui peut te frapper. Toi-même, quand tu regardes, quand le discours commence, toi-même, tu te mets au pas. Tu demandes pardon, mais toi-même, tu te retires chouette. Parfois même tu parles pas trop, mais si la personne est trop agitée, que peut-être elle se dit que peut-être par ton silence, elle va essayer d'avancer pour commencer le moment. Mais quand tu embrasses parler des gens publiquement, et puis tu regardes le gabarit de Kamen, tu dis que tu n'es pas prendre pour toi. Gabarit, quel gabarit? Son gabarit. Gabarit, mais c'est rempli. Il a dit ça à mon boss. Aïe, il a dit ça au Bénin, il lui a dit, oui, il m'a présenté une fois, il dit, Rita, voici ma femme, et puis elle s'est levée. Il a dit, il a regardé toi, il dit le vieux. Dedans. Il dit, hé! Hey! Elle a entendu. Le... Mais elle a entendu, Ayesha a entendu, tout le monde a entendu. Elle n'a pas réagi. Elle peut réagir, elle a dit quoi, mais c'est rempli dedans. Aïe, de dire quoi? Affaire de Fafa. Elle n'a pas réagi. C'est dévalé. Un jour, moi, j'ai peur qu'un jour, vienne nous voir. Elle sait où elle l'a vu. Elle sait où elle l'a vu. Avant qu'elle la voie avec Didier, elle sait où elle l'a vu d'abord pour la première fois. Justement, dis-nous d'où tu connais Kamen avant Didier. Non, parce que. Tu peux pas comme ça, Jean. Jean. On te tu la connais trop. Et puis genre, tu es gamé. Défendu. Toi même là, tu étais gamé pourquoi? Ta gamme même était dans façon, gamme. Façon, Rita, Diesel, j'étais parle gamé parce que... Attends, Rita. De façon, tu parles là, des femmes. Non, c'est ta j'ai l'impression qu'au-delà d'Arafat, il y a une affaire même entre Rita et Kamen. C'est-à-dire qu'elles se connaissent d'avant. Là-bas. Et puis, après, d'Arafat est venu tomber dedans. Non. Vous voyez où au départ, avant Arafat. Il faut nous parler, Rita. Non, là, on n'est pas là pour non, ça. Non, on a Kamen, d'abord. Kamen, c'est pas mon ami, au fait. On n'a pas dit le contraire, mais non, tu la connaissais d'où avant Arafat? Au fait, je la voyais comme ça, où dans ça? Les boîtes. Et puis, un jour, je l'ai vue dans un coin où ils étaient à quatre. Ça dit, je ne sais pas s'il y a 16 habitants ensemble, comme le gros français, l'agent, ils étaient à 4. En cohabitation. Voilà, un truc comme ça. C'est comme ça, moi je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai connu. À 4, comment il y a des filles ou des garçons? Le vieux des filles. Bon, moi je ne sais pas s'ils habitent ensemble, en tout cas, je les ai vus là-bas. J'étais allée avec. C'était où? Bon, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop le coin, mais en ce temps, j'étais allée avec Poupette Sticker. En ce temps, je dansais avec Poupette Sticker. Tu es Poupette Sticker. Il y a une jolie fille, belle artiste, forme, ça, qui ressemble un peu à Nicki Minaj de façon. La même poupette là? Oui. La danseuse? Oui. Ah d'accord, voilà, ok. C'est elle poupette qui m'envoie sautait? Je savais pas. C'est elle qui m'envoie là-bas. En fait, moi tout ce que j'ai dit là, il n'y a pas mon son dedans, c'est pourquoi il n'est pas froid, il n'est pas peur. Oui, mais toi tu n'as pas maintenant, peur. Maintenant, qu'est-ce qui se passait dans cette maison de cohabitation? Non, il n'y a rien. Poupette était allée juste les saluer, comme si ce sont des petites. Petites. Okay. Donc on est quitté en voyage dans le truc de Oudi premier dans un pays, donc quand nous sommes arrivés, elle m'a prise dans sa voiture. Et elle a dit, on va saluer, je salue mes petites ici, les Cindy et tout. Je connais quelques-unes dedans. Donc c'est comme ça que je suis partie. C'est là-bas, j'ai vu Kamen. Mais je t'ai arrêté juste à la porte, je ne voulais pas rentrer. Après, Poupette m'a dit, mais Rita, rentre. Que tu fais quoi là-bas? Donc c'est là, il y a Cindy qui me connaît, qui est venue me voir. Ah, Rita, on dit quoi, ça va? Qu'elle ne s'attendait pas. Mais puis je suis rentrée, je les ai vues, j'étais là, dans une toute petite maison. Et puis bon. Quand tu précises, bah, là, tu précises dans une toute petite maison. C'est une manière de dire quoi? Genre, non, genre, non, non. Bon, ok. Non. Mais il y a la maison était belle quand même. Mais ton cœur est un peu noir aussi. Non, mon cœur est noir parce que c'est foutu de ma gueule. Dans quel sens? Parce que j'étais en Guinée en 2020. Oui. Moi, comme mon boss, quand on a fini le. Là où mon boss là, m'a présenté en Guinée, puis elle s'est foutue de moi, elle m'a lancé tout le pied, elle est partie, puis elle a dit c'est son cul là, c'est qui a repris dedans, c'est les bêtises là. Ok. Quand nous sommes entrés à Abidjan, Didier m'a prise à côté. À côté de son potail, il dit, Rita, mais qu'est-ce qui se passe entre Kamen? Il dit, non, le vieux, il n'y a rien.
Elle m'a manqué de respect, tu as vu, non? Elle dit, oui, mais je n'ai pas compris. Tu n'as pas eu peur? Elle dit, non. Il y a peur de quoi? Il dit, mais fais à cause de moi. C'est ma femme. Pardon. Je suis fan des faits à cause de moi. Il faut l'appeler, viens. Mais parce que moi, il ne l'appelait pas, viens, mais il l'appelait quand même. Et si moi, il l'appelait même? Si elle est là, si elle n'est pas là, il n'y a rien à foutre. C'est pas à cause de moi, je suis là, moi, je suis là pour mon travail. Donc, c'est comme ça, il m'a dit, appelle-la, viens, mais c'est ma femme. Comme j'aime mon boss, j'ai accepté. Jusqu'à présent, ça continue. Jusqu'à quand il est décédé, moi, j'étais en Guinée. J'appelle maintenant la vieille mère, la femme de mon boss, pour lui dire, pour la raqueter un peu, ah, la vieille mère, ah, faut silencer mon côté, voilà. Elle me disait, Arita, t'inquiète, que je vais te revenir, hein, bébé, je vais te revenir. Moi, je me porte pas. Mais au début de sa grossesse, moi, je me suis occupée d'elle pendant moins une semaine. Je l'ai tressée, je partais faire ses courses. Qu'elle a fait, je partais Didier même avec la vieille mère, Vanessa Fashion. Je voulais même que je reste avec elle pour prendre soin d'elle, tellement que je prenais soin d'elle. Je mangeais même, quand elle mange comme ça, qu'elle a payé ses grossesses, ses femmes, moi, je m'en fous. Hein. Quand elle mange comme ça, elle dit, je suis rassasiée, tu ne manges plus. Elle dit, je prends, je mange. Rita, je veux manger tant, il faut participer pour moi. Elle me montre le restaurant, je vais payer sa pizza, elle va acheter ce qu'elle veut manger, je viens. Donc moi, j'ai vu que j'ai faute. Donc la après, femme vous de êtes mon... venu dans deux, si vous êtes venu dans deux, à ses parties. Comme moi, non, oui, oui. À cause d'Arafat, comme il te l'a dit. Oui, parce que j'ai laissé, au fait. Voilà. Et après, elle aussi, elle a entendu des trucs sur moi, mais après, elle a vu que c'est pas comme ça que je suis. Mm-hmm. J'ai entendu que je suis impolie, je suis infontaine, mais après, elle a vu que je suis pas comme mais ça. Mais est-ce que c'est pas un peu vrai? Non, non, c'est pas vrai. Ça dépend de comment tu viens. La mère, tu viens vers moi, c'est comme ça, elle t'accueille. Mm-hmm. Parce qu'un enfant, même, il faut le respecter. Parce que si tu le respectes pas, il va te manquer de respect aussi. C'est sûr. Voilà, donc, c'est comme ça. Elle était là quand j'étais en Guinée. Je l'appelais, elle me testait, elle me mettait là. Jusqu'à un jour, je l'appelais, elle dit, ah la vie, mais c'est comme il faut sincer, même si c'est vainqueuse. Hé, mm-hmm. Rita, je suis désolée, tu m'as mis, je suis malade, ils m'ont cambriolé. C'est ça que vous avez entendu cette histoire. Mm-hmm. Qu'ils l'ont fait cambrioler chez elle, ils l'ont agressé, ils sont partis chez elle, ils ont cassé tout, je ne sais pas. Mm-hmm. Voilà, et cette histoire m'a dit que elle ne se sentait pas bien, les malades qu'ils ont voulu chez elle, tout. Qu'en tout cas, elle va me revenir. La fête de dépendance approche. J'ai chanté un son des enfants où il y a son nom dedans. Il y a le nom de sa fille. Et un son, deux de mes sons, il y a son nom. Même mon son, tout récemment, il y a son nom encore dedans. Donc, là maintenant, je lui envoie le son de la paix pour dire qu'elle n'est qu'à partager. C'est là maintenant qu'elle me fait sortir. Même pas si c'est bonjour, bien bonsoir, rien. J'étais au studio là, avec mon arrangeur. Et elle m'envoie un message. Je pensais que tu allais me dire la vérité. Ils m'ont dit que tu couchais avec mon mari, mais pendant tout ce temps-là, je pensais que tu allais me dire la vérité. J'ai attendu jusqu'à ce que tu oses me demander l'argent. Affaire de vieille mère, elle s'est quittée dans mes dents en même temps. Mm-hmm. Oui, elle lui a dit que mais il pensait que j'étais immature. Il pensait que j'étais mature. Mais il voit que là, tu es toujours bête. Hey. Mais bien sûr. Parce que comment tu peux dire à quelqu'un qui te demande 20 000? Tu penses que si moi j'allais coucher mon mari, tu penses que moi j'allais galérer quoi? On dit tu mougouais le daichi. Il allait tellement le mougou, non? Aïe, depuis quelle année il voulait me mougou? Moi il le considère comme un vieux père. Elle me dit, et puis elle lui dit ça, elle me dit, oh bon, un père. Il lui a dit non. Non, il lui a rien donné. Sur le côté. Non, même pas. Même pas. Et après lui, il m'a félicité pour ça. C'est comme ça, après ça, il a comme ça, même plus, c'est mieux mon affaire parce que je priais aussi pour lui, je gênais aussi pour lui. Donc il a vu que c'est pas une simple danseuse au fait. Voilà, donc. C'est comme ça que je lui ai dit ça. Je dis, ah, moi, je l'ai pris comme un père. Même le jour du baiser, elle était en bas. Lui, où elle m'a fait baiser, elle était garée, elle était dans la voiture. Je dis, ah, moi, c'est comme un père. Je le vois comme un grand frère. Il me dit, oh, bon, un grand frère. Hein. C'est ça, il a envoyé une note. Il lui dit, tu penses, si moi, je voulais coucher ton mari, là, j'ai fait son, j'ai mis le nom de ta fille, j'ai mis ton nom dedans, même si on dit, ma chérie. Faut pas que tu as fait ça. Que les gens t'ont dit, là, tes repéros, là, moi, c'est pas ton repéro. Hein. Il y a mes deux bras, il peut travailler pour avoir mon argent. Faut les faire écouter la note que je t'envoie. Faut les faire écouter ça. S'ils veulent te soutenir de l'argent, là, c'est pas seulement mon nom, ils vont prendre. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a répondu à la note vocale? Et si elle a répondu, jusqu'aujourd'hui, elle n'était pas là, même elle n'a pas fait vu. Mais c'est qu'elle lui a dit là. Et puis elle lui a dit, tu pouvais m'empoisonner. Tu pouvais me tuer. C'est fort. Oui, c'est fort parce que c'est ce qu'elle réelle, parce qu'elle mangeait son restant. Elle me donnait manger, elle mangeait. Pendant ce temps-là, elle savait, elle se disait dans sa tête que moi, elle couchait son mari, non. Non, mais là, on dirait son tête de tchou, elle savait que. Non, elle savait, en lui, elle savait que tout ce qu'elle était en train de dire sur moi, que moi, elle mouvait son mari, elle savait tout ça. Mais je suis à côté d'elle, elle m'envoie, on voyage ensemble, on revient. Peut-être que c'est pour mener les enquêtes aussi pour voir non, si tu c'est voilà, ça. C'est ça, il dit maintenant tu as mené les enquêtes. Il faut garder ses ennemis oui. Près de soi. Ouais, maintenant, quand tu gardes tes ennemis près de soi, juste que tu n'as rien vu, jusqu'à le mort à Dja là. Juste qu'ils ont appelé la fille pour lui dire l'enfant que tu as là, elle s'est sans prendre de la femme. Marie, ça là, elle a dit non. Tu sais, si moi elle mourait, elle vient parce que moi, il est poireauté, il est galéré. Il est pour. Ça dit que pour faire ma promotion, mais de mon enfant. Quelle affaire d'enfant d'Arafat?
C'est pas avant Narava, c'est mon enfant. Moi, j'ai deux enfants. Elle a eu un enfant juste avant le décès de Narava. Oui, j'ai deux filles. Elle était enceinte. Moi, j'ai deux filles. Voilà. Donc, et quand tu étais enceinte, là, ça n'a pas duré après le bisou que tu es tombée enceinte. Oui. Est-ce que c'est le bisou qui t'a enceinte? Non. En ce moment, j'ai croisé mon chéri, qui était mon arrangeur. Voilà. Donc c'est pas qu'il arrangeait le son, il m'arrangeait aussi. Vous avez en profité pour nous arranger tous les deux. Il m'arrangeait aussi. Quel bel arrangement. Quand tu n'aimes pas un peu le milieu de la musique. Vraiment. Là. Par exemple, tu fais bisous au chanteur, l'arrangeur. Tu manges ton arrangeur. Non, l'arrangeur là. Est-ce que le clavier. Non, l'arrangeur. Non, des fois, tu es. Non, c'est le père de mes deux filles. Voilà, c'est avec lui que j'ai fait mon album et tout. Voilà, et le bisou là. Quand c'est fini, moi je me suis retirée. Pour une question de gens, entre moi et mon boss, au fait. Voilà, il y a un moment qui s'est passé, c'est pas un moment de mouli. Voilà, c'était professionnel, au fait, ça concernait le travail. Voilà, donc, je me suis retirée de lui. Et il m'avait interpellée. Quand je suis venue, je lui ai fait pas encore du. Il m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Que t'inquiète, qu'on gère ça. Mais il a vu que il faisait pas, il me suis repliée encore. Voilà, pour attirer son attention, quoi. Sinon, c'est pas parce que, genre, comme si on a eu discours, mais rien de tout ça. Tu sais pas où. Non, c'est après ça, moi, il a fait une vidéo même où il a dit que, je suis pas enceinte même. C'est après, moi, il a su qu'il était enceinte. Il y a une vidéo où on était en concert où il a porté une petite culotte rouge brillant. Il était enceinte de 5 mois. Mais mon ventre était tellement petit. C'est après que moi, j'ai su que j'ai dit, hey, monsieur, tu mal d'air. Mais tu, pour Arafat, là, tu refutes toutes les accusations. Hein, comme quoi, de tu n'es pas sortie avec non, lui. Non, je suis jamais sortie avec mais lui. Mais dans le milieu même là. C'est avec qui tu es sorti en définitive. Dans le milieu là. Tu vas pas me dire que tu es passé par là. Non. Par là comme ça. Dans le milieu là. Tu as goûté un peu. Non, la même main, tu sais. Goûter là, c'est pas goûter des. Benoît. Que Dieu m'en garde. Pourquoi que Dieu t'en garde? C'est pas non, garçon. Non, c'est garçon, mais c'est un vieux père. Je peux pas penser à ça. Je peux pas penser de ça en fait. Bébé, ça avec lui. Non, même pas. Les ma fille, on connaît ça. On connaît ça. Hé, le vieux. Mais le vieux même est passé par là. C'est aussi la donné sa vie au Seigneur. Les trucs de ma fille dans le bureau. Dans le bureau, c'était des filles. Le père pour des filles. Oui. Le père, il a donné sa vie au Seigneur. Non, c'est vrai, mais moi, c'est pas le cas. Moi, si je veux commencer une relation avec toi. Non, Rita, tu réponds pas à ma question. Je dis. Tu dis à Rafat, tu n'as pas mangé. Non, je n'ai pas. On dit OK. Oui. Maintenant, qui tu as framponné dans le milieu là? Il faut. C'est le père de ma fille. L'arrangeur là, oui, ça peut être pas des artistes ou des danseurs, non, ou bien des bassistes. Non, il y a pas un guitariste. Non, aucun, non, personne. Un tambouriste. Non, même pas. C'est vrai que les guitaristes, les tambouristes, mais. Et un choriste. Un choriste. Non. Rita, tu dis pas toute la vérité. Et non. Un danseur. Mais oui, je suis déjà sorti avec un danseur, mais en ce temps-là, je dansais même pas. En ce temps, je travaillais au fait. Voilà, je. Et c'est qui ce danseur? Voilà, les manos. Ordinateur. Non, même pas. Bébé sauce. Non, c'est pas mon goût. Et ton goût, c'est quoi? Ordinateur, besoin, c'est pas mon goût. Donc ton goût là, c'était quoi? Ouais, surtout frêle, c'est des petits bonhommes? Non, pas des petits bonhommes, mais bon. Bon, je sais pas, mais c'est pas, j'ai pas cette pensée là, en fait. Non, mais le danseur là, c'est qui? Il danse toujours? Oui, il danse. Non, il danse plus. Il danse plus. Avec lui. Il est devenu artiste, mais non. Là, c'est qu'il est connu des falais, va dire. Non, maintenant, faut m'affairer. Le danseur qui est devenu même le chanteur et qui s'est sorti. C'est même qui? Il faut dire le nom. Non, ici, là, il n'y a pas pardon. Jamais. Attends, jamais. Le danseur qui est devenu chanteur. C'est facile. Il y a combien de danseurs qui sont devenus chanteurs en Côte d'Ivoire? Ils sont beaucoup d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup. Si. Bon, toi, tu en connais combien? Si elle parle comme ça, c'est que c'est un danseur qui est un chanteur qui est réputé. Qui a fait couper des calis. Ouais, c'était un très bon danseur, l'un des meilleurs danseurs, voilà. DJ Léo. Non, je vais juste donner le nom de l'artiste, Safari Lobiang. C'est un danseur, oui, en ce temps-là. Safari était danseuse. Je vais donner juste le nom de l'artiste. Ah, il dansait avec Safari. Voilà. Maintenant, le reste, je ne peux plus avancer. Non, mais c'est pas. Un des danseurs de Safari, on sait que c'est pas un. C'est qu'il n'est pas devenu. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous dites non, un artiste réputé, j'ai dit non. C'était un très bon danseur. Il a essayé de devenir star, mais ça n'a pas marché. Bon, ouais. Alors, Rita, est-ce que quand le jour de ce fameux jour, au soir de la mort de Feu Didier Arafat, tu étais où? Ce jour-là, ma fille avait déjà presque 2 mois et j'avais prévu, ça dit, dès qu'elle rentre dans ces 3 mois, on allait aller voir le vieux, tout ça. Parce que lui et moi, on avait parlé déjà d'un truc de genre production, en fait. De mieux produit, j'avais arrêté de danser. Ouais, c'est ça, c'est ton album. Voilà, donc,
C'était un coup. Il m'a dit de danser d'abord. Donc après ça, j'ai ma belle-mère qui m'a envoyé au marché. Je partais acheter, faire le marché. Et j'étais avec une sœur. Et là, j'entendais des gens qui étaient dans le kiosque. En train de dire, ça dit plein d'étrangers, mais qui disaient, oh, il est mort, oui, il est mort, et puis quoi? Oh, il est mort, c'est qui, Arafat, c'est qui? Donc, je calculais pas ça, en fait. Donc, au fur et à mesure, j'avançais, je voyais des gens même qui, ça dit, les gens étaient beaucoup tristes, des vieilles, des mamans, des gens, mais j'entendais, hé, l'homme n'est rien, hé, il y en avait même des gens qui ne prononçaient pas bien son nom, hé, Arafat, oh, Arafat, oui. Donc je disais, ma soeur me disait, mais c'est ton artiste, c'est ton artiste en train de parler. Je dis, oh, faut laisser ces bêtises. Quelqu'un, quand je lui fais accident, il s'en sort là, c'est pas accident, ça il va rester. Donc allons-y au marché. Donc nous sommes montés au marché, il y a un coin, c'est-à-dire qu'on vend la viande, que la viande seulement. Donc maintenant, ça a senti même la viande, le sang. C'est dans ce coin-là que je rentre et je sens un parfum qu'il avait acheté. Ça dit, à l'aéroport, je sais pas, dans l'avion, un truc comme ça. Ou ce jour-là, il avait acheté des petits biscuits, genre comme des boules, tu casses et puis il y a du chocolat dedans. Il avait acheté ça pour moi. Donc il avait acheté ce parfum-là. Et mais petit seulement, ça prend. Ce parfum, il m'avait donné ça, je sais pas si c'est au Sénégal. Il avait un t-shirt Air Fat que lui portait. C'était un peu violet ce qu'il lui portait là. Au Sénégal, je n'étais pas venue avec mon habit. Donc il m'a donné ce tricot-là, il dit de prendre. Donc ce parfum est resté un mois dans mon habit. Je lave, mais ça ne quitte pas. Donc, c'est ce parfum-là que j'ai senti parmi les gens qui vendent de la viande. Donc, il dit, attends, c'est quel parfum il sent là? C'est impossible. Parfum qui est cher, comme mon artiste, mais il met une goutte, et puis il ne met plus là. C'est ça, moi, il sent au milieu des gens qui vendent. Non, il tourne ici. Au fur et à mesure que je tourne, ça dit, l'odeur commence à être fort. Je ne comprenais rien. Et à la maison, après, j'ai expliqué ça à mon beau-père qui était un pasteur père à son âme. Et il m'a dit, ah ma fille, on ne sait pas, hein, mais il faut prier Dieu, peut-être que ça peut être vrai. J'ai dit, on est resté là jusqu'à. J'ai dit, non, moi, tant que la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne internationale mondiale, parce que c'est un artiste mondial, tant que cette chaîne-là n'a pas parlé de lui, je ne croirai pas. Je n'ai même pas fini de parler. Ils ont fait l'annonce. Ils ont fait l'annonce. Je ne sais pas si j'ai pleuré, je ne sais pas. En tout cas, franchement, j'ai senti quelque chose quitter. Un vide. Oui, j'ai senti un grand vide en moi. Je ne m'étais pas retrouvée. Ça dit, j'étais en train de... Ça dit, je ne sais pas comment j'ai dit ça. J'avais commencé à entrer dans la dépression. Jusqu'à ce point? Oui, jusqu'à ce point. Ça dit, je m'habillais plus, je prenais plus soin de moi. En fait, je m'en foutais même de la musique, je m'en foutais même, en fait. Rien. En ce temps, ma belle famille était à Gonzague. On me voyait même quand on dit c'est la douceuse d'Arafat. D'autres, mais malgré ça, il y a d'autres qui continuaient de m'aimer. Il y a d'autres qui me voient, Arita, tu quoi? On arrête à dire dans nos quartiers quoi? Malgré que j'étais d'une manière un peu délaissée. Et dans ça, j'ai mis au moins près de. Deux ans, hein? Un an et demi, presque deux ans, pour pouvoir me retrouver. Alors, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de lui? De ton mentor. Bon, déjà, tout le monde sait que c'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui n'aime pas replier, c'est quelqu'un qui cherche toujours à créer, c'est quelqu'un qui veut toujours être en haut, à la tête et non à la queue. C'est un bosseur, il joue pas avec son travail. Voilà, il s'amuse bien, mais quand c'est l'heure de travailler... Il travaille. Et il m'a dit que Rita, les gens vont toujours t'insulter, ils vont toujours te parler mal. Ils vont toujours se moquer de toi. Mais toi, continue de travailler. Ça dit, plus on parle de toi, plus tu avances. Ne regarde pas les commentaires pour avancer. Parce que si tu regardes les commentaires, ça peut te déstabiliser, ça peut te faire replier. Donc, ne regarde même pas les commentaires. Fais tes trucs, balance, avance seulement. Parce que... Mais est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, il y avait une forte pluie de commentaires sur lui? Est-ce que ces commentaires-là n'ont pas un peu déstabilisé lui-même aussi? Bon. Parce qu'il se fut un moment, avant son décès, il y a eu une vague de commentaires qui s'est levée sur la toile contre sa personne. Bon, oui. Bon, moi, je peux dire que bon, chaque personne a sa vie. À ton avis, comment il a vécu ça? Parce que tu étais proche de lui. Il y avait une Est-ce période. Est-ce que dans ces derniers instants, tu étais toujours proche de lui? Moi, dans ces derniers instants... Depuis là où il a frappé le petit Marco, oui. Et puis il a, comme on appelle, il a balancé ça sur les réseaux sociaux, oui. Où on voulait le mettre en prison, on dit, il est parti, on voit s'il revient, on va le mettre en prison, il a fait son discours, le vieux de Bordeaux, tout ça là.
J'étais beaucoup, on priait pour lui. Je priais beaucoup pour lui. Je gênais pour lui. Mais arrivé à ce moment, comme j'ai dit là, ça commençait à aller un peu parce qu'après, ils ont réglé un peu son truc avec des bordeaux. Et ça dit, ça le concernait lui et moi, en fait. C'est donc pourquoi je me suis retirée. C'était par rapport au travail. Voilà. Et après ça, je suis restée à l'écart. Mais tout ce que je peux dire que c'est Dieu qui voit tout, il sait tout. Donc c'est Dieu qui savait ce qui allait arriver. Et tu t'es retirée combien de temps avant son décès? Non, je me suis retirée. Je suis restée, ça dit, au moins, après il a fait sortir son où il avait une petite fille qui est venue, je ne sais pas, il dansait avec une petite fille. En tout cas, au moins 2 mois, 3 mois, je me suis retirée, je n'étais plus venue encore jusqu'à quand j'ai attendu qu'il est mort. Jusqu'à ma fille, j'ai accouché, tout ça là. J'étais déjà partie chez lui avec une est-ce fille. Que, est-ce que le temps que tu as passé où tu ne le voyais pas, est-ce que vous étiez en contact? Franchement, il y a un truc qui s'est passé par rapport à... En fait, c'est pas comme si je voulais même pas venir, mais en fait, rien de tout qui s'est passé. Moi, c'est moi qui étais chef de groupe. Mmh. Voilà. Et quand les Rufis sont partis, les nouveaux danseurs qui sont venus, j'étais dans le lot et j'étais chef de groupe. Donc, quand les anciens danseurs sont revenus demander pardon, j'étais toujours chef de groupe. Mais il y a eu des trucs, il y a d'autres qui disent non. Depuis quand, dans une armée, femme commande, il y a d'autres qui ne voulaient pas accepter que je les commande. Mmh. Et ça, il y a le vieux père Ali Lecôte qui m'a dit ah, Rita, tu es dans le pain, voilà. A fait des. Chef de groupe, voilà ça. Parce que eux, je disais que le poste me donnait l'argent. Parce que quand il met l'argent, ça dit de notre tenue, de ma main, les transports, tout ça, il y a d'autres qui voyaient son foutaise. Donc le boss m'a dit, Rita, si tu veux laisser la. Parce que c'est Rufil qui était chef de groupe. Mm-hmm. Si tu veux, tout ce qui est en train de se passer, ça dépend de toi. Ce que tu as dit là, c'est ce qu'il avait fait. Il dit, ah le vieux, c'est pas chef de groupe. Eux, parce que tu me donnes 1 million. Que faut de... Rufil n'est qu'à reprendre son chef de groupe. Que moi, il ne veut plus être chef de groupe, c'est bon. Donc c'est comme ça, moi, je me suis retirée. Donc celui qui était chef de groupe là, il ne m'appelait pas quand il y avait les sorties. Mm-hmm. Il ne m'appelait pas quand il y avait les clips. Parce que c'est le chef de groupe qui appelle, qui réunit. Donc il ne m'appelle pas. Moi, je suis dehors, même on m'appelle, on me raconte ici. Ce mec qu'on fait le clip, je ne sais pas, on appelle ça comme l'équipe, après l'équipe, je ne sais pas, un clip de ce genre-là. Mes amis, mes vieilles, mais ah, mais tu vois, on demande à tes collègues dans ça, ils disent que tu es malade. Ils disent, moi, malade. Je ne suis pas malade, je suis là. Mais il y a un truc que je veux savoir. Quand tu as connu Carmen avec Arafat, elle n'était pas au niveau qu'elle est en ce moment. Elle n'avait pas le niveau qu'elle a maintenant. Mais elle-même, c'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, quand toi, tu vois Carmen avec tous les voyages, avec l'argent qu'elle claque et tout ça, est-ce que tu n'es pas un peu aigrie? Ça ne me dit rien. Mm-hmm. Parce que je sais que le Dieu que j'adore, c'est le Dieu de l'or et l'argent. Mm-hmm. Voilà. Et s'il décide que moi aussi, un jour, je sois comme ça, je serai au fait. Ça ne me dit rien. Au contraire, chaque personne a son étoile. Hein. Voilà, la pauvre honnête que Zota a voulu chanter, elle n'a pas pu. Moi, mais je sais que c'est la seule danseuse parmi tous les danseurs qui sont sortis, artistes là, qui a fait album en même temps. Moi, j'ai fait mon album, j'ai fait 16 sons en 2 mois. Tellement que j'avais la rage. Oui, mais les 16 sons sont allés où? Non, c'est là, c'est mon album, c'est pas encore sorti. Ah, ça va sortir bientôt? Oui, oui. C'est maintenant que je suis en train de faire un peu. La un peu. Promo. Voilà, j'appelle un peu, je touche de partout, j'appelle. En tout cas, je m'humilie pour que des personnes aussi puissent venir m'aider. Mm-hmm. Voilà. Et comme... tu as sollicité qui? Bon, j'ai sollicité le roi 12-12. Je lui ai envoyé un message. C'est là-bas que tu oui. Tu es passé par qui pour avoir accès au roi 12-12? Non, pas parce que. Non, parce qu'il a ses repéros. Oui. Poncho le gardien, comme ça, qui porte couche pour aller voir le roi 12-12. Non, mais le vieux Poncho le gardien, je me suis dit, arrêtez une fois en contact avec lui par rapport à ça. Non, il m'a mis à côté. Ben, il n'a pas. Non, pas le pas demander. Je veux croiser le vieux. Il m'a dit non, genre, comme si c'est, il m'a fermé, en fait. Mais à foi. Poncho. Mais bien sûr, il a sa taille là. Mais lui. Il prend la zèle, ses dents. Lui, il prend la zèle. Lui, bondit, hein, comme un lionceau. Oui. Après ça, j'ai sollicité la même à l'Ouest. Et ma même là. En tout cas, moi, je voulais profiter de cette donc, émission. Regarde ta caméra, vas-y. Pour vraiment m'excuser auprès de la même à l'Ouest. Parce que lorsque nous étions au Maroc, ça dit, c'est une femme vraiment qui m'a aimée. Moi aussi, que je l'ai aimée au fait. Elle m'a dit, Rita, quand on va rentrer à Abidjan, il y a des fringues que je ça dit, j'ai acheté, d'autres, mais je ne porte plus, je vais te donner. Parce que regarde, je me disais, je ne sais pas donner mes habits à qui. Donc, je vais te donner, hein, ma fille. Elle dit, à fort, la vieille mère. Et j'aimerais aussi m'excuser auprès du vieux père Moula. Je ne sais pas, hein, le vieux, excuse-moi. Si vraiment j'étais offensée depuis qu'on était au Maroc, tu m'excuses, je te demande pardon. Voilà. Donc, après ce voyage-là, quand je suis rentrée, c'est là qu'il y a eu un concert où Didier m'a fait les bisous. Mais pourquoi tu demandes pardon à Moula, oui, Emma Loès? Non, c'est non. Passé quoi exactement? Non, j'en viens. Maintenant, pour Emma Loès, là,
elle m'a dit non, j'ai donné même mon numéro. Elle m'a dit de voir Ozoa, la vieille Ozoa. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, après ça, c'était pourvu que dès qu'on vient aux gens, on me fasse signe et puis on se voit et puis pour qu'elle puisse me donner ce qu'elle voulait me donner. Mais après le bisou là, j'ai senti comme si, au fait, genre comme si elle se. Genre, c'était plus ça. Le bisou a fermé tout. Voilà, le bisou a fermé. Donc, d'accord, moi, il m'aurait dit. Oui, moi, il m'aurait dit, elle avait même mal lorsque. Moi, il la conseille. Elle que moi, je considère comme la femme de Didier. Ah bon? Oui. Ah, ce que tu es en train de dire. Et là, le bisou qui, fort, hein? Oui, le bisou qui s'est passé. Donc ça veut là, dire que Carmen, pour moi, c'est pas la femme de la femme. Moi, je suis jamais sortie avec le boss. C'est pas la même mal parce que moi, je couchais. Parce que je sais qu'elle l'aimait vraiment ce monsieur. C'était son mari. Je suis jamais sortie avec lui. Rita, quel est le problème véritable avec Carmen Saba? Parce que ce que tu es en train de dire. Carmen, non, attends, j'ai pas fini, bébé. Ce que tu es en train de dire, c'est très grave. Quand tu dis que c'est Emma que tu connais comme la femme d'Arafat. Oui. Donc, Arafat même a dit, il a présenté Carmen ici à la nation comme étant sa femme. Pourquoi toi tu viens toi, dire toi, le contraire? Oui, tu comptes sur quoi pour dire que c'est Emma toi qui connais comme la femme? En fait, il y a des choses qui arrivent. Un gars peut présenter une fille à ses amis, mais il y a une mousseau qui est là. Ses amis peuvent apprécier l'autre mousseau par rapport à elle, même si la mariée vont te dire que. Mais le gars dit c'est Carmen qui est ma femme. Madame, toi tu dis quoi? Non, lui il dit c'est sa femme, moi il dit. C'est sa femme, lui dit c'est sa femme, non. Il n'y a pas de souci. Mais moi, il dit, moi là, j'aurais préféré que là, ça soit la même Emma Louest. Pour moi, c'est ce qu'il a dit. Attends, toi, c'est ta préférence. Ah, c'est ma préférence. Ça vient de toi. Voilà, et puis, il y a beaucoup de personnes même là qui préfèrent ça aussi. Ah, donc toi, tu parles de toi. Je ne suis pas la soirée des problèmes avec Carmen. Oui, non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, mon problème, c'est ce que je t'ai dit par rapport à Guinée. Mais après ça. Mais la façon dont tu parles de Carmen, c'est comme si tu avais des grilles. Non, mais ça fait mal, la vieille mère. Ça fait mal. Non, mais. Toi, tu considères quelqu'un et puis la personne, déjà, la personne a craché dans son cœur contre toi. Et puis, ça dit que tu es derrière, tu es menable, il te dit. Bon, attends, est-ce que c'est pas des bonnes guerres que la personne a craché dans son père? Tu embrasses son mari. Ah, tu embrasses son mari. Mais elle n'a pas de personne, elle était présente en plus. Mais elle met ce que son mari là. Elle met ce que son mari là. C'est quelqu'un, il aime le buzz. Et puis moi, Didier m'a dit, ma mais fille... Mais pourquoi parmi tous les danseurs là, c'est toi, il a envie. Il aurait pu embrasser bébé sans... Il y a une belle bouche. Non, j'ai une belle bouche. C'est Rita. Non, j'ai une belle bouche. Il est comme ça. Il aurait pu embrasser sans... C'est un bisou. Mais pourquoi ça, Os? Pourquoi ça? C'est un bisou. De père et fille. Un bisou de père et fille. Il aimait mon affaire, moi aussi. Bon, toi-même, tu dis qu'il avait l'amour, il avait un amour pour toi de chercher Jean Temouli. Non, non, voilà, merci. Ta femme savait pas. Elle savait pas que lui voulait chercher à Temouli. Non, je dis, il avait un amour de Mougouli, mais j'avais pas terminé, on a passé à autre chose dont je reviens. Justement. Il avait un amour de Mougouli, mais l'amour de Mougouli, là, je lui ai montré que moi, je le considère comme un grand frère. Je me suis vraiment en bébé devant lui. Cet amour-là, c'est retourné en amour de père et fille. Ça, c'est ce que tu penses. Voilà, c'est ce que tu dis. Mais toi, Rita, non, attends, dis quelque chose. Rita, toi, Rita, toi, tu as ton mari. Il a sa danseuse. Il dit toi, il n'a pas dit Carmen, toi. Tu as ton mari. Il a sa danseuse. Et toi, tu sais que ton mari est fan de ta danseuse. De sa danseuse, il cherche à l'amour. Et c'est ça qu'il est fan. Et si elle sait qu'il est fan. C'est ça, Élisée Barré, c'est ce qu'il a dit. Rita. Oui. Soyons honnêtes. Alors, on est toutes de grandes personnes. On est des femmes, on n'a pas à se respecter. Parce que la nation, Fafa, c'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est le monde. Mais là, on parle du free. On parle du free. Ouais, donc, c'est plus du jeu. On est arrivé à un niveau supérieur. Tu as placé mes baskets, ils vont bien. Ma place, mon attends, il a placé ma gombia, gars. Ma gombia. Il a dit Rita, tu as ton mari. Oui. Qui danse avec une fille. En général, il ne danse pas avec femme. Déjà. Mais particulièrement. Ça, c'est une grâce déjà pour moi. On ne sait pour quelle raison il danse avec une fille. C'est une grâce parce que c'est ça. Quand Dieu dit, c'est ça. Et il se permet d'embrasser la fille en plein concert devant le monde mondial. Et puis toi, tu es là, de toi à moi. Ça ne va pas te faire mal. Non, je veux un oui ou un non. On parle de femme, tu es femme, on n'a pas dit. Oui, ça va me faire mal. Ça va te faire mal. Et puis quand tu vas la fille, tu as rien. Et puis quand tu vas la voir là, tu as genre, tu as trop rien, c'est trop ta CP. C'est CPA. Je sais que mon mari aime le buzz. Amène ça, ma. Mon mari aime le buzz. Il y a buzz. Buzz et puis la fesse comme ça. Non, mais quand elle est là, regarde dans mes yeux là, elle sait que moi, elle n'est jamais. C'est quoi qui est écrit dans tes yeux et puis elle est valide. Non. Dans tes yeux là, le vieux, quelqu'un qui a. Moi, il dit que si moi, il y avait Mougouet le vieux, elle c'est ça. Si moi, il y avait Mougouet le vieux là, moi, je ne serais pas en train de galérer. Le vieux, elle l'a dit à m'appeler, dit ma fille. Bébé qui est dans ta mère, c'est bébé d'Arafat. Le notaire, il dit demander à Rita si c'est bébé d'Arafat. On va prendre, on va s'occuper, on va lui donner maison, on va donner tout. Je dis au vieux, c'est vrai qu'il est si blessé. C'est vrai qu'actuellement, c'est bizarre. Mais il ne peut pas prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour donner à quelqu'un à cause d'argent. Ce n'est pas son enfant. Il dit, c'est pas son enfant, c'est pas son enfant. Le vieux père Landry a appelé pour te dire si c'est l'enfant d'Arafat. Ça veut dire que quelque part,
c'est parce qu'il y a eu quelque chose avec Arafat. Mais parle-toi, comment on t'appelle même pour chercher là? Il y a d'autres là. Eux, ils sont venus faire sur le plateau ici pour dire qu'ils ont eu enfin Arafat, que l'enfant a grandi, tout ça. Non, moi, mon artiste, je dansais, c'était des arts. Moi, mon artiste, c'était mon travail. Voilà, mon travail qui nous lie. Mon problème, c'est avec mon boss. Mon problème, c'est que là où je n'arrive pas à te suivre, c'est les griefs que tu as vis-à-vis de Carmen Sama. Parce que, à t'entendre, c'est-à-dire, pour quelqu'un qui est doté d'une intelligence, c'est comme s'il y avait un véritable problème entre Carmen et toi par rapport à Arafat. D'un côté, on a l'impression que Carmen te soupçonnait de sortir avec Arafat, et toi, tu dis le contraire. Mais la vérité se situe où, finalement? Parce que Carmen ne peut pas te détester comme ça. Elle voit son mari t'embrasser en plein conseil. Elle n'a qu'à rire, toi. On est des femmes, on n'a qu'à se respecter, bébé. Oui, mais là, c'est son problème à elle. Ça, c'est son problème. Là, tu réagis comme une femme. Carmen, voilà. Carmen. Et tu vas loin encore pour dire que toi, c'est Emma Lewis qui, pour toi, est la véritable femme d'Arafat. Oui. Bon, à ton avis, si Carmen entend ses propos, comment tu penses qu'elle va se sentir en tant que femme? J'ai le droit de vouloir. C'est son problème. J'ai le droit aussi de Donc, c'est toi qui décides pour Arafat. Je n'ai pas décidé pour lui. Je dis, j'aurais préféré, j'aurais aimé que ça soit la mère Emma Lewis. C'est ce qu'il a dit. Il faut intégrer le fait que c'est Carmen Sama. Oui, c'est la femme d'Arafat. C'est pas fini. Bon. C'est ça là. Mais là, c'est pas là que tu es chez Carmen. Non, Didier est moi. Moi, il est moi. J'ai dit, ah, c'est fini. Elle vit sa vie. Moi, il vit ma vie. Chacun est dans son chemin. Je n'en veux pas. C'est la femme de Didier. C'est son choix. Il est aimé. C'est une très belle femme. Ou bien c'est 20 000 que tu n'as pas donné là qui t'est fait non, ton mal. Non, c'est pas 20 000. 20 000, c'est quoi? 20 000, c'est rien. Mais c'est une manière de genre, en fait, je l'ai considéré. Je me suis dit que la femme de mon boss, voilà, c'est tout. Même à monter qu'il y a faute. Mais Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas bailli. Dieu m'a fait grâce. Il n'y a plus réglé ce qu'il devait régler, mais Dieu m'a fait grâce. Maintenant, Dieu m'a encore, et c'est pas elle qui a ouvert, mais ouvert. Ouvert les yeux. Ah, Dieu m'a ouvert les yeux. Si c'est une chose. Mais de toute façon, toi, tu parles. Oui, moi, le jour que moi, je connaissais là. Et puis, de toute façon, toi, tu es là. Élisée a témoin. Non. Le vieux, attends, je t'ai cassé ta peau. Le vieux, attends. Le vieux, je t'ai cassé ta peau. Une fois, le boss m'a passé mon jour. Même elle est pessiguée, toi, tu es pessiguée aussi. Il lui aime ça, il sait qu'il voyait que. Il y a la voix, c'est comme du feu à sortir au bout de. Oui, moi, j'habitais pas loin de chez DJ. Moi, j'habitais pas loin de ce DJ. Donc, un peu, ça lui m'appelait, ma fille, tu es où? Viens. Je suis au studio, viens, j'ai besoin de toi, viens. Parfois, je l'accompagnais pour t'acheter ses voitures, tout ça là. Donc, un jour, il m'a appelé, il dit, viens, venir la compagnie. Il m'a prise au Apéto Ivoire. C'était dans sa voiture, le diable noir là. Donc on est parti. On appelait ça le diable. Quand il roule comme ça, là, il a pourquoi s'est quitté. Là, il a chuté. Oui. Donc arrivé là-bas, on arrive vers le feu de le diable de Oscar. C'est-à-dire la rue, quand on prend la rue où il a fait l'accident là. Quand tu entends de prendre la rue maintenant pour au feu, au carrefour, on te tourner, puis un coup la freiner. J'étais assise derrière. Voici ma main sur ma carrière. Et puis, il m'a regardé dans le rétroviseur. Et puis il dit, Rita, il dit oui le vieux. Il dit, tu sais que si je te mougue, je te mougue, non. Là, on est seul. On est deux. Il lui a dit, oui, j'essaie. Il dit, mais il n'y a pas le fait. Qu'elle demande-moi pourquoi. Il dit, pourquoi le vieux? Il dit, parce que j'ai vu en toi, tu me respectes. Tu n'es pas comme certaines filles. Marie, tout ce que j'ai fait, là, j'ai vu que tu me prends comme un grand frère. Mais moi, là, je te mets en haut. La mère, tu m'as aimé, là, c'est comme ça, elle t'aimait dans la rue, là. Écoute-moi, moi seul. Ce qu'elle te dit, là, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, affaire de Yessifon, là, faut oublier, tu es ma petite soeur, tu es ma fille. Hein? Faut oublier. Allons dans mon rendez-vous. C'est comme ça. Donc pour finir, c'est rallié à ta cause. Mais parce que si tu le dis, on va prendre ça comme ça. Bon, okay, mais moi, si tu dis, on va prendre des pincettes. Vis-à-vis de Carmen, là, qui me font un peu. Carmen, moi, j'ai pas de problème avec toi. Moi, j'ai pas de problème avec toi, Carmen. Voilà, jusque-là. La manière dont tu t'es comporté en Guinée. Ça m'a choqué. Mais non, pour toi, qui était proche, pardon, de Arafat, de Olokpacha et tout ça, on dit que Rafna ressemble beaucoup à Olokpacha. Toi, tu ne veux pas me dire sur des visages. Non, comme elle était dans leur groupe, non. Chola. Et puis elle les a côtoyés. C'est parce que Chola, c'est juste parce que Olokpacha a fait le même tresse que Rafna. Moi, je ne parle pas de tresse. Moi, ce que les gens disent, c'est ça que j'entends, je prends, je viens et dépose. Comme toi, tu étais proche de, n'est-ce pas? Oh. Tu connais Carmen, tu connais Arafat, tu connais Olo. Les gens, je dis bien les gens, ça ne vient pas de moi, que Dieu m'en préserve. Là, il est chicane. Les gens disent que Rafna et puis Olokpacha, il y a une ressemblance frappante, percutante, pertinente. Wow. Et c'est pas à cause de la coupe de cheveux. Maintenant, toi qui étais à côté, qu'est-ce que toi tu dis? C'est qui il dit là? C'est que là. Où vieux là est là, c'est maintenant il connaît la vérité maintenant. C'est tout ce qu'il peut dire.
C'est maintenant il voit, il ne peut plus parler, mais c'est maintenant il voit clair. Eh, c'est quelle vérité? Aïe, il connaît la vérité. L'enfant là, c'est pour quoi, tu as? Non, moi, il n'a pas dit ça. Il a dit où le vieux est là. Oui. Il y a plein de choses maintenant qu'il voit. Mais c'est dommage, il est déjà parti. On ne peut plus revenir en arrière. Donc toi, tu penses qu'il y a beaucoup de choses qu'il a vues après qu'il soit parti. Mmh. Et puis maintenant, c'est mort. Mmh. Mais c'est ça. C'est pas vous, l'enfant là, ressemble un peu ici à Paquette là. Un peu. Mais il ne sait pas si c'est son enfant d'elle. Coiffure là. Ouais. Bon. Ça là. Mais elle ressemble, elle a pris un peu la bouche de Didier. Il y a une partie de Didier quand il était petit là. Elle ressemble. Toi, tu l'as connu quand il était petit? Non, ils ont mis une photo sur Facebook, il a vu. Ils ont mis Raph, ils ont mis Didier, il était petit comme ça. Tu vas gâter le chemin. Tu vas faire le chemin. Elle est en train de sortir du chemin. Et il faut nous dire la vraie vérité. Sur la note de mission, tu es là. Par exemple, on lance cette affaire. Alors, Vita, la commission quand bientôt? En 2023, en tout cas, il n'y a pas de date d'abord. Actuellement, Rita est seule. Comment on dit ça, le vieux? Autoproduction, c'est pas vrai. Tu t'autoproduis, d'accord? C'est un appel à ceux qui peuvent apporter un soutien, t'aider. Soutien. Vraiment, ceux qui se disaient que vraiment, ils sont les amis de mon boss. Qui disent aussi que vraiment, parce que je sais pas, il y a des fans là, vous êtes derrière quand vous dites je t'aime, mais quand tu es là, c'est vraiment, ah voilà, tu peux pas, combien de fans là, vous avez dit que c'est pour venir liker seulement. Quand tu es fan là, tu peux aussi aider. Les fans aussi ont problème. Oui, tu peux aussi aider. Il y a des fans même qui ont des magasins, même d'habits, même, on dit, ah l'artiste lance son clip. Il y a des fans même qui ont studio, ah mon artiste. C'est comme ça, on dit fans aussi. C'est nous, on travaille ensemble. Mm-hmm. Mais si vous voulez pas nous soutenir, on va faire comment? Il faut que les téléspectateurs, qui trouve que toi et moi on n'est pas professionnels, parce que dans des commentaires je vois ça, on nous traite d'animateurs incompétents et tout ça. Il faut qu'ils comprennent que le principe de Fafa, c'est pas de venir choquer, c'est pas de venir se donner genre le plateau là, nous considère ça comme un grain. C'est un divertissement. On est maintenant même là pour vous montrer qu'on prend ça comme un grain là. On va venir à taille. Voilà, on s'assoit par terre sur Nats et puis on va faire l'émission avec les invités. Comme ça vous allez comprendre que ce combi que vous cherchez là. Arachide. Et voilà. Parce que quand tu manges arachide, tu critiques bien. Carabelke. Ouais. Comme ça, les téléspectateurs vont comprendre que. Non, c'est une émission de divertissement. C'est pas une émission d'enseignement. On ne fait que notre travail. Arrêtez de nous insulter. On dit émission de divertissement. Quand on envoie un artiste, un invité, c'est pour le titiller. C'est pour causer plus comme si on faisait le petit béret au quartier. Si vous voulez émission de chocobi, allez sur les chaînes où on choque là-bas. Ici, on ne choque pas. On dit Ivoire TV Musique. Fafa. On n'a pas dit Ivoire TV Musique. Fafa. C'était moi. Merci. Big up à la grande famille Kangala le Berger. Big up à la boutique chez Kra. Le rendez-vous des vêtements certifiés, toujours à la pointe des chaussures. Je devais passer là-bas hier. Le luxe, oui, tu devais passer, bien sûr. Il faut que tu y passes. Et surtout, big up à Hervé et Max depuis le Coco Bango, la nouvelle discothèque du côté du plateau, ex-Place Vendôme, désormais ouvert, voilà, l'ex-Place Vendôme en ce moment avec la grande famille, ils sont là-bas, ils font le show, c'est top, c'est vraiment chic. J'étais le week-end dernier, j'ai fait un petit tour. Mais c'était pas mal, ça tournait bien, oui. Allô. En tout cas, ça va, Hervé et Max, on est ensemble. Alors, big up aussi à monsieur Mamadou Diawara, depuis Somadive, achetez vos motos et vos tricycles de luxe à Soumadive avec un service après-vente à la pointe de la technologie. Merci. Alors, n'oubliez pas aussi Franck Mian, le jeune industriel, on est ensemble. Chola, on verra pour les berlutes de ton chéri. Là. On va voir chez Kra. Il n'y a pas de souci. On va voir ce qu'il peut faire. Ah, voilà. C'est la boutique chez Kra. En tout cas, la boutique chez Kra, je passe devant souvent. Voilà, donc on y sera. Alors, merci encore à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Surtout, merci à Rita Diesel pour ce superbe, merveilleux interview. Celle-là-même qui sait qu'elle est le véritable de Rachna. Bon, voilà. Elle va nous dire ça bientôt. Dans trois jours, on saura la vérité. Et quelle celle qui nous a permis aussi de faire la lumière sur le milieu des danseuses. Parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. On espère que je vois de danseuses ici. Alors Chola, un petit coucou à Diabo, ton village. Oui, bien sûr, j'aimerais faire un gros coucou à ma belle et grande commune de Diabo. Et je suis habillée par la boutique Diva Glam Collection. Voilà. Rita Diesel, merci d'être venue. Hein, voilà. Merci à Défalé, vous. On se prend du côté de S-Club. Voilà. Toujours le seul endroit. On se nourrit. Voilà. Mmh. Et puis Fafa, vous savez, hein, c'est une émission de divertissement. Ici, c'est le grain. Voilà. Affaire à suivre.